Susanna Esselberg habite à Malmö, en Suède. Pour Susanna, le livre est un symbole de la mémoire, de l'imagination et de la créativité humaine. Le titre choisi par l'artiste est très évocateur. Quand mon père est mort, c'était comme si une bibliothèque entière avait brûlé. Et on voit bien que l'œuvre en constitue une sorte de métaphore. Un véritable coup de cœur pour la dernière édition de Passage insolite, l'œuvre de Susanna revient dans la programmation pour une deuxième fois. On peut voir la bibliothèque comme une tombe qui comporte l'héritage de connaissances, d'histoires et de souvenirs que l'on tente retenir à la mort d'un être cher. C'est comme si c'était la porte d'entrée à un monde parallèle. C'est assez déstabilisant et tellement impressionnant de voir ces milliers de livres 10 pieds sous terre.